Non. Non, non. Non. Presque non. Presque non. Non, je veux pas penser à ça. Ouais, on y sera, Inch'Allah. Si Dieu le veut, on y sera. On sera, on sera. Si on fait une bonne saison avec DFCO, on sera. Si on n'est pas blessé, on est toujours vivant aussi, parce qu'on peut mourir entre temps. Ouais. Ouais, il faut pas penser aux blessures, parce que si on pense de se blesser, on va se blesser. Il faut pas les penser. Il faut travailler à fond, donner à fond à 1000% chaque match. Et après, c'est le destin, voilà. On ne sait pas. Exactement, on fait tout pour y être. Après, c'est le destin, si on n'y est pas, on n'y est pas. Mais en tout cas, on se met dans la tête qu'on veut y être. On fait tout, on travaille tous les jours avec Haddad et pour y être. Et Inch'Allah, on y sera. Naïm Sliti. Le pied droit de Sama. Meilleur défenseur. Meilleur défenseur. Meilleur buteur. Allez, pour changer du quotidien. Je vais dire. Qui on pourrait dire? Moi, je vais dire Mbappé. Moi, je pense qu'il. Neymar. Neymar. Moi, je pense à Mbappé. Moi, je dirais Neymar. Avec le Brésil. Et je vois le Brésil gagner la Coupe du Monde aussi. Meilleur Tunisien? L'équipe. Franchement, ouais. Toute l'équipe. Mais toute l'équipe. Après, on a des bons joueurs aussi. Franchement, on a des très bons joueurs offensivement. Moi, je dis que Youssef M'Sakni va être la surprise de tout le monde. Parce que personne ne le connaît. Il joue à Qatar, mais c'est un sacré joueur. J'espère que tout le monde va le connaître. Quart de finale, on peut rêver un peu. Quart de finale, ça serait un très beau parcours. Ouais, moi, j'aimerais bien être au deuxième tour déjà. Après, je peux rêver plus. Rencontrer la France, ça serait. Ouais, ça serait très très bien. Ouais, quart de finale, allez, pourquoi pas. Elle a le potentiel, oui. Après, est-ce qu'elle va le faire? Je reste sceptique. Ouais, moi je pense. Je pense pas. Mais elle a le potentiel pour. Elle a le potentiel. Ils ont des bons joueurs. Mais après, c'est le collectif qui va faire la différence. Exactement. Moi je pense, avec des bons joueurs, juste ça, tu peux rien faire. L'Allemagne, par exemple, la dernière Coupe du Monde, ils ont gagné avec l'effectif. Tout le monde a cru que l'Espagne vont gagner parce que le Brésil, le Brésil, l'Argentine, parce que Messi. Mais toutes ces nations, ils ont 2-3 bons joueurs. Mais regarde, si tu as vraiment 18, 20, 20 bons joueurs, tu peux aller loin. Gagner, c'est très dur. Ouais, déjà, la jouer, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Rêver. Après, il faut. Ouais, pourquoi pas rêver? Bien sûr, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Après, il faut être clair. Il faut être clair et avoir des objectifs. Franchement, qu'on peut le faire. On ne peut pas dire maintenant on va gagner la Coupe du Monde. Mais c'est facile de le dire, mais après, c'est dur. Il faut être réaliste, c'est ça qui veut dire. Il faut être réaliste. Oui. Oula. On fait la nage Marseille-Tunis à la nage. On vous invite chez nous en Tunisie, on vous invitera. Voilà. Téléfoot, on promet qu'on. Moi, je ramène le trophée ici. Voilà. Et je ramène le trophée ici et je marche des Dijon à Paris à pied. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!